il a pas eu de légendaire quand même. Si toi aussi tu veux participer à la protection des truites, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et de lâcher ton plus beau pouce bleu. Et salut à toutes les truites et truitesses, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Et comme vous le voyez, hein, le défi de l'électro-sorcier qui est disponible, juste la folie. Alors est-ce que vous kiffez cet événement? Dites-moi un petit peu en commentaire, vous en êtes où sur ce défi? Combien de victoires, combien d'électro-sorciers vous avez gagné? Nous on va aller découvrir ensemble 3 decks, pour moi les meilleurs decks électro-sorciers du moment. On va voir tout simplement un premier deck avec le bouliste cimetière gel, deck plutôt classique. On met l'électro-sorcier ici à la place de cette petite mousquetaire, donc plutôt propre, plutôt solide. En gros l'idée c'est simple, j'ai pris les decks du moment où il y a les archères, j'ai enlevé les archères pour mettre un électro-sorcier. Sauf pour cette version du cochon que j'ai montré d'ailleurs un petit peu plus tôt ce matin en vidéo. Si vous l'avez pas vu, allez la checker, elle est vraiment intéressante, en plus avec un pack opening énorme. Et du coup, bah, là normalement il y avait une petite Valkyrie, j'ai mis le petit sorcier électro. Ici c'était les archères pour ce deck géant bouliste, le deck de Nem Sensei que vous connaissez mais qui est très très solide. Voilà donc 3 decks qui vont clairement, qui sont là pour masser un maximum de litchi. Le premier, on va pas le faire en gameplay, vous l'avez vu, ce que je vais faire c'est passer dès le deuxième. On va également tester le troisième, tout ça en défi bien évidemment de l'électro-sorcier. Actuellement je suis à 2 victoires, 0 défaite, on va essayer d'accumuler un maximum de victoires comme ça. Déjà je suis prêt, je suis chaud pour le marathon de cet après-midi qui aura lieu sur Twitch. Let's go, petite ellipse, le temps de préparer les decks. Et voilà mes petites truites, le premier deck, celui de Nem Sensei avec la version électro-sorcier. On va voir ce que ça donne. C'est pas mal, moi je pense que c'est... Et re mes petites truites, on est parti cette fois-ci donc avec la version du deck de Nem Sensei. Et petit concours sur la vidéo, cette fois-ci un combat. Je vais venir dans votre clan, on va se faire une petite fight un peu comme ça se passe dans les vidéos de BFA. Donc pour ça c'est très simple, un commentaire avec le coût en élixir cumulé des 3 cartes qui vont s'afficher. En gros il y a 3 cartes qui vont s'afficher qui coûtent un certain nombre en élixir. Vous additionnez les 3, ça fait un chiffre. Je veux ce chiffre en commentaire. Dites-moi également ce que vous avez pensé des decks que je vous ai présentés. Et pour vous, le meilleur des 3 decks. Alors, plutôt ce deck cochon, ce deck géant ou ce deck cimetière gel. Le cochon, vous l'avez vu un peu plus tôt dans la vidéo. Là, on va attaquer avec le deck de Nem Sensei. Derrière, j'enchaînerai avec le dernier deck bouliste cimetière gel. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti pour cette game. On joue contre Mobin and Ali du clan Persian France. Force, pardon. Force, force, force. Et on va commencer avec un géant au fond de map. Le bouliste ici pour gérer ça. Ok. On va limiter la casse ici. Le cochon qui va mettre 2 tatanes quand même. C'est pas dégueu. Donc il a perdu un élixir sur cette pression. Il y a encore un bouliste sur le plateau qui va devoir gérer. On est pas mal là. Là c'est une boule de feu hein. Sans perdre de temps. Allez hop, ça dégage. Et le géant, regardez, qui a encore beaucoup de vie qui arrive au niveau de la tour. Oh, le zap qui a été joué là-bas. Ah, c'est dommage, j'aurais du zap ici. J'aurais fait beaucoup de dégâts. Et le géant, regardez-moi, qui a distribué de très très belles tatanes à droite. Le taf a été effectué également. 1572 PV. Alors tiens, je viens de voir un petit peu comment il gère la fournaise. Ok, là on zappe. Là on zappe direct. La fournaise qui va faire le taf sur ce cochon. Et la défense qui est faite. Mais oui monsieur, on est en train de masser les litchis hein, des adversaires. Donc comme je vous disais, le niveau vraiment qui va être faible. Si vous jouez un bon deck solide comme ceux que je vous présente, normalement vous devriez pas avoir trop de problèmes. Sinon bah faut regarder ma vidéo cet après-midi, il y a un tirage au sort hein, pour faire gagner tout simplement un électro-sorcier. J'irai sur votre compte pour jouer. Donc faites péter les commentaires sur la vidéo précédente. Allez le géant ici devant pour accompagner. Oh. La boule de feu ici, sans pression. Oh, je lui ai pas mis de tatane, c'est dommage ça. Elle est censée faire un bon taf sur cette méga. Y a pas à chier. La petite fournaise ici. Et le taf. Qui est fait? On prend pas de coups sur cette fournaise. C'est super bon. Il a quand même pas mal défendu. J'ai un peu traîné sur la boule de feu, je trouve. Oh, il envoie la sienne. On va pouvoir regrouper les amis. On va faire un bus. Le bus de l'infini. Le bus du turfu. C'est parti. Oh,
Oh. C'est quoi ça? Il veut me voler la game là. On est d'accord, il veut me voler la game. Il veut me voler la game, le con. Le con, il veut me voler la game. Mais c'est en train de passer. Regardez à droite, le géant, la méga. Avec le boulist. C'est en train de passer comme pépé. Oh, c'est quoi cette... cette méga devant, une horreur. Allez, la boule de feu ici pour finir la game. Ouais, c'est le GG. Regardez-moi ça, la tour qui est en train de prendre tarif. La tour qui tombe. Il reste 7 secondes. On va tout simplement poser ici le petit électro-sorcier en plus. Oh là là, l'électro-sorcier qui fait le taf contre ce cimetière. Mais oui, monsieur, le 3 coucou. Non, qui tombe. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais le GG qui tombe, les amis. Une victoire de plus à ajouter à mon palmarès. Et ce qu'on va faire, bah, c'est rebalancer la sauce sans perdre de temps cette fois-ci avec un nouveau deck, petite ellipse, let's go. Et les amis, le deck est prêt, un deck tout simplement à 3,9 d'élixir, un deck qui comme ça, alors on a l'impression qu'il coûte cher, mais croyez-moi, ce deck masse du litchi également, c'est une petite version de Wa le Ouf, du coup remasterisé à ma façon avec cet électro-sorcier. On va aller voir ce que ça donne normalement, voilà, je suis assez serein sur le résultat de ce deck. On devrait masser du litchi. Et on va commencer tranquillement avec un GDG en fin de match. Oh, le Francis est agressif ici. Oh lolo, il est très agressif le Francis là. On va le calmer Francis là. Oh, mon poteau, tu fais quoi là? Alors là par contre, le placement de mes troupes, je suis pas fan du tout. Ok, go. Il y a moins qu'il rajoute autre chose. Non, non, il a pas rajouté 1-2. On a le zap de près. Ouais non, c'est léger ça. C'est léger, regardez-moi les Portugais Super Saiyan à droite qui vont tout de suite découper. On a profité de cet avantage en élixir, cette boule de feu que j'ai pas trouvé très bonne. Et la tour de droite qui est quasi morte, les amis. 346, encore une, 81 PV, c'est ok. On a fait le travail à droite. On va essayer de le faire à gauche. Avec un petit cimetière gel. Ok, go. Voilà. Ça, on s'y attendait, mais regardez le gel qui est déjà envoyé. Le cimetière en action et la tour qui tombe. Mais oui, monsieur, c'est fait. Vraiment, ce défi, c'est juste la folie. On est en train d'enchaîner. Allez, 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 allez. Oh, il vient de jouer un golem là. On va le 3 couronnes, hein. On va le 3 couronnes en mode on n'a pas le temps. Oh, le bon petit Francis ici, c'est pas dégueu. Je veux le 3 couronnes. Le 3 couronnes en mode j'ai pas le temps. Je prends des risques là. Oh les 3 mousquetaires, mais regardez le cimetière qui est déjà en action. Oh le bon zap. Oh le con. On panique pas. Ok, c'est bon, c'est géré. Je vous ai dit on panique pas. Surtout pas, j'ai paniqué un peu. J'ai paniqué un peu pour être honnête avec vous. C'est parti, le cimetière devant, on a le gel derrière. Ça va être GG. Le gel. Allez, tuez-moi cette tour. Mais oui monsieur. Le 3 coucou. Le 3 couronne. Waouh. Waouh 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 waouh. Je sens que ce défi va être de long. On est actuellement à 4 victoires, 0 défaite du strike. Je vous remonte donc ces fameuses decklist, donc avec ce boulist, ce portugais super saiyan, on a le cimetière ici, le GDG, non vraiment les 3 decks en fait qui envoient du lourd. Les 3 decks qui envoient du très très lourd. Donc donnez-moi vos retours. Quel a été votre deck préféré? Le premier, je voulais pas montrer en gameplay. Est-ce qu'on se ferait pas un petit gameplay pour que... Non, on va pas se faire un... Oh, vous savez quoi? Go gameplay, la vidéo va durer, mais c'est pas grave. Non. Ah si, non. Ah non, j'ai relancé le même deck. Oh my god, alerte au gogol. Oh oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. On lance donc le petit gameplay. Je me suis trompé de deck, plutôt malheureux, mais c'est pas très grave. On va lui masser les couilles comme ça. La sorcière à gauche, what the fuck.
Ok, ici tout de suite on va poser le cimetière. On a le bouliste plus le portugais super saiyan. La tour qui devrait tomber ici sur ce play. Et ouais, la tour qui tombe les amis. Là faut pas paniquer. On va bien poser la méga derrière. L'électro-sorcier ici. Voilà. Et c'est défendu. On a pris quand même pas mal de dégâts. Mais c'est ok. C'est ok. Ok, la Valkyrie en défense. Ce qui est pas mal, c'est qu'il va plus l'avoir, les amis. Il était pas terrible, je trouve, ce bouliste. Allez, on envoie le cimetière ici. Oh, le bouliste qui est en train de faire le taf, mine de rien. Le sorcier électrique aussi fait le taf. Oh, la tour à 200 PV. Par contre, attention au contre. Ah, c'est bien joué ça de sa part. Il est juste en train de me masser les couilles là, le con. Oh, 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 Francis! On vient de le brain. On vient de le brain fuck, les amis. La tour qui tombe. Oh. 700 PV. Hein. Il est pas bien là, les amis. Je le sens claquer des couilles. Bien joué. Allez, faut le tuer là. Il a la foudre, hein. Il a la foudre, les amis. J'ai le cimetière. J'ai le gel. C'est parti. Le cimetière qui est envoyé. On a le gel. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Le 3 coucou. Cette game de malade. Mais oui. C'était chaud. C'était chaud. Mais encore une fois, une victoire. On est déjà à 5 victoires, 0 défaites, c'est juste magnifique. Et petite tweet, on va enchaîner cette vidéo des meilleurs decks. J'attends vos retours en commentaire. Dites-moi si c'est le deck 1, 2, 3, celui vraiment que vous avez préféré parmi ceux que je vous ai proposés. Et là, on va partir sur le compte d'un abonné, Pret, qui m'a enregistré une petite vidéo. Il m'a dit lourd, il m'a dit lourd. Donc j'ai hâte de voir ça. Coffre, 12 victoires, 2 super défis. What? Ok. Il est en train de s'enjailler. Il est en train de s'enjailler sur cette victoire. Il a raison, il a raison. 12 victoires. C'est parti pour l'opening. 22 000 pièces déjà. On commence lourd. 22 000 pièces, clairement. Ça met bien. Ça met tout le monde d'accord. 40 cartes d'archer. Ah non, par contre, il faut beaucoup, beaucoup de communes. 48 barbares d'élite. Un clonage. Ok, une épique. Alors, il y a 10 épiques, si je dis pas de bêtises. 107 Tesla. 117 géants royal. Ça fait beaucoup de communes. Ça, c'est plutôt bon. 121 bombardiers. D'accord, 20 cochons, c'est très bien le cochon, c'est très très bien. On a du mini PK au nombre de 26. Ouh, c'est beaucoup de communes ça, 220. 320 esprits de glace, il reste 4 cartes. 64 géants. Oh, 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 oh. Il a eu les 10 gels. Il a eu les 10 gels, les gars. Il a eu les 10 gels. Non. Pou, pou, pou. Il a pas eu de légendaire quand même. Non, je remets le son rien pour ça. Non. Oh my god. Double légendaire pour notre ami Prides sur ce coffre. Une bûche, un électro-sorcier. Oh là là, je vais farmer comme un porc. D'ailleurs, marathon Twitch, je serai sûrement encore en marathon si j'ai survécu sur ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description. Faites-moi péter les pouces bleus. Un grand merci à Price. Et j'espère que cette vidéo va vous aider à aller chercher cet électro-sorcier. Des gros bisous. Et à très très vite pour une nouvelle vidéo, mes petites tweets.